Bruxelles. Un ingénieur a construit une machine à voler qui, après son lancement, doit être mue exclusivement par le pilote. Le vol par la propulsion humaine fait, on le sait, l'objet de nombreuses recherches dans tous les pays du monde. Les essais de cet appareil ne sont pas très heureux. C'est à un jeune garçon boucher américain que l'on doit cette idée géniale de la bicyclette ailée. Une simple paire d'ailes, une fusée qui doit permettre un décollage rapide, le tout convenablement adapté à une bicyclette, et l'on part ainsi à la conquête de l'air. Cet appareil, baptisé ornithoptère, est en fait une bicyclette volante. Son inventeur, un sculpteur anglais de 39 ans, Hartmann, a le ferme espoir de s'élever dans les airs sans le secours d'un moteur, autrement dit de battre les oiseaux sur leur propre terrain. Jusqu'ici, toutefois, ses espoirs sont restés purement théoriques. Ce n'est pas la première fois que la petite reine veut avoir des ailes. Il y a 30 ans, un courageux pionnier s'élança à 25 km à l'heure à la conquête du ciel. Trahi par ses mollets et ses biceps, l'aspirant pigeon ne quitta pas le sol. Mais c'est de petits échecs de ce genre qu'est faite la grande histoire de l'aviation. Depuis Icare, le rêve de l'homme a toujours été de voler de ses propres ailes. À Hartfield, en Angleterre, John Winpenny a conçu à cette fin une bicyclette à hélice d'une envergure de 24 mètres. Son espérance a été exaucée. Sur 800 mètres, l'engin s'est comporté comme un avion. Avec un champion cycliste au pédalier, la prime de 5000 livres pour le premier vol d'un mille est, si l'on ose dire, à portée de la main. Voler de ses propres ailes est un rêve humain depuis longtemps satisfait. Mais malgré l'acharnement de bien des chercheurs passionnés d'aviation, voler à la force de ses propres muscles semblait jusqu'à maintenant une véritable chimère. Bien des engins bizarres, souvent techniquement très valables, avaient été conçus dans ce but, certains même adoptant résolument les conceptions modernes les plus avancées. C'est en s'attachant tout simplement à la technique du planeur qu'un amateur anglais, M. Pigott, vient d'apporter au problème sa première solution concrète. Un pédalier de bicyclette transmet à une hélice la force motrice issue tout simplement des jambes du pilote. La légèreté et la grande envergure du planeur permettent à l'engin de décoller à très faible vitesse, ce qu'il fait réellement pour la première fois. Et il vole. Pas bien haut, mais il vole quand même. À quoi bon voler ainsi, direz-vous, il y a deux raisons. La première étant l'amour de l'art ou de l'air, et l'autre le prix de 5000 livres offert par un mécène anglais au premier homme qui volera de ses propres forces sur un mille. Maître de l'air grâce à des machines qui touchent à la perfection, l'homme n'a pas renoncé au rêve d'Icare. Avec le parachutisme et ses chutes libres, il éprouve l'impression de vaincre la pesanteur. Avec l'aile volante, il pourrait retarder indéfiniment sa chute. Mais décoller sans moteur reste un autre problème. Il a essayé de le résoudre par tous les procédés qu'il a imaginés depuis plus de 50 ans. Après les vélos ailés et les chauves-souris à pédales du début du siècle, la compétition reste ouverte. À preuve, les tentatives réalisées presque chaque année pour remporter un certain prix crémeur de 50 000 livres sterling, offert au premier appareil à vol musculaire, qui, en l'absence de vent, aura bouclé le mile entre deux pylônes. Les plus récents concurrents se sont attaqués au record dans les années 60. Ils étaient tous deux britanniques.
Chacun d'eux devait parvenir à quitter le sol sans atteindre les 1600 mètres imposés. En effet, le plus grand bond réalisé à ce jour n'en dépasse pas 800. Le dernier en date des engins qui se proposent de battre le record est français. Hurel Dubois, l'auteur de cette aviette, a depuis longtemps prouvé ses connaissances aéronautiques. Spécialiste des ailes à grande portance qui permettent des vols à faible vitesse et des atterrissages d'une finesse absolue, il vient d'imaginer cet engin d'une envergure de 40 mètres pour un poids de 68 kg, soit 134 avec le pilote. Au cours de premiers essais en traction, on a étudié son comportement à la vitesse prévue, 21 km/h. Mais pour décoller seul, il faut déployer une puissance de 22 kg mètres seconde. Cela implique un pilote cycliste doué d'un sérieux coup de jarret, d'où la nécessité d'un entraînement rigoureux pour actionner à l'aide de chaînes et de pignons une hélice de 3 mètres. À la première tentative, l'aviette est restée au sol. Hurel Dubois devra-t-il faire appel à Ocaña, Merckx ou Poulidor pour remporter son pari et les 50 000 livres ?